pour cette 14e traversée de Paris. Dans les 60, je me suis régalé. Hein. Les fantomates, la belle américaine, des tas de films. Le dernier que j'ai fait, c'est Battel. Deux grosses caméras Mitchell derrière, un groupe électrique. C'était l'équipement tout à fait traditionnel. Hein. On a fabriqué ça à la base d'une Cadillac sur les côtes. Il y avait tout un système de barres qui sort ici et on tractait les voitures sur le côté. C'est un bon métier. Hein. Il y avait un voyou qui venait acheter des gâteaux à la pâtisserie de mes parents et il avait une Porsche et toujours avec des belles gonzesses dedans. Et j'étais tout petit, j'ai dit un jour j'aimerais avoir une fille comme lui et la même voiture. Moi j'adore voir Paris avec les tractions, les dauphines. Moi j'ai eu plein de vieilles voitures, j'ai une 404, j'ai une vieille 2002, j'ai une 204 décapotable, j'ai une vieille Porsche. Langlois, pour moi, c'est un grand monsieur du cinéma qui a fait beaucoup pour la mémoire du cinéma français. Et c'est un monsieur qui a une vraie démarche de conservation, de transmission. La transmission, c'est important. Aujourd'hui, c'est Renoir, Melville, Duvivier. Ce que ne connaissent plus beaucoup de cinéastes aujourd'hui, de comédiens, surtout ce qui est bien navrant. Donc Langlois, pour moi, c'est ça, c'est la transmission.